bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous amener toute la semaine pour suivre mes lectures. On est aujourd'hui lundi 20 mars et comme vous avez pu le voir dans les séquences que j'aurais mis avant, je suis actuellement à Londres. Donc ça fait vraiment du bien d'avoir quelques jours de vacances. En plus, ça faisait très très longtemps que j'avais pas été à Londres, presque 12 ans. Donc j'en profite pour redécouvrir la ville, me balader un peu partout. Et bien sûr, j'ai fait quelques achats. Hop. Voilà, c'était un peu difficile de ne pas craquer, sachant qu'ici ils ont tellement de beaux livres que enfin, les couvertures sont magnifiques, il y a un choix énorme, tout attire l'œil, donc 4, je trouve que je reste encore raisonnable. Je vous montrerai tout ça une fois que je serai rentrée chez moi demain et je vous parlerai à ce moment-là de la lecture que je vais prendre, puisqu'en fait là je suis venue à Londres sans livre. Le challenge de la Rose des Vents dont je vous avais déjà parlé, c'est terminé. Et après ça, j'avais envie de faire un peu une pause niveau lecture, donc je n'ai rien pris. Puis on a été assez occupés quand même. Donc je reprendrai une lecture quand je rentrerai chez moi demain. Salut, de retour au Luxembourg. Je viens donc vous parler des achats que j'ai faits à Londres. Vous excuserez cette tête-là, j'ai dû me lever assez tôt pour prendre l'avion, du coup je suis un peu fatiguée. On va commencer avec le premier livre que j'ai acheté, qui était dans une petite librairie qui s'appelle Primrose Hill. Vraiment, c'est un quartier hyper sympa, je ne connaissais pas du tout. Et il y avait cette petite librairie indépendante qui était assez petite, où il fallait un peu fouiller, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai choisi Godmersham Park de Jill Hornby. Jill Hornby, c'est aussi l'autrice de Miss Austen, que j'ai déjà lu et dont j'avais déjà beaucoup parlé en vidéo. En fait, dans Miss Austen, on suivait Cassandra Austen, donc la sœur de Jane Austen, dans les années qui avaient suivi la mort de Jane, lorsqu'elle essayait de détruire les lettres que Jane avait pu envoyer dans sa vie pour éviter que dans le futur, des fans avides de détails essayent de disséquer toute sa vie. Et dans celui-ci, l'autrice reprend plus ou moins le même schéma, dans le sens où on va graviter autour de la famille Austen, mais cette fois-ci à travers un personnage qui est étranger à cette famille. Il s'agit de Anne Sharp, qui va devenir gouvernante pour Fanny Austen. Fanny Austen, c'était l'une des nièces de Jane, une de ses nièces préférées d'ailleurs. Elles ont échangé une grande correspondance tout au long de la vie de Jane, en tout cas pendant jusqu'à ce qu'elle décède. Donc à ce moment-là, je crois que Fanny avait à peu près 16 ans quand sa tante est décédée. Et on va donc suivre cette nouvelle gouvernante qui arrive dans le magnifique domaine de Godmersham Park. Et de ce que j'ai compris, elle va finir par tomber amoureuse. Alors je ne sais pas exactement de qui. Est-ce qu'elle tombe amoureuse du père de Fanny qui est veuf? Est-ce qu'elle tombe amoureuse de Henry qui est l'un des frères de Jane et l'un des frères du père de Fanny? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé l'écriture quand même dans le livre précédent. J'avais trouvé que c'était une écriture très en pudeur, très en délicatesse. Et j'avais beaucoup aimé. Pas tous les partis pris, mais la façon dont l'histoire était racontée. Donc, hâte de découvrir celui-ci. Ensuite, coïncidence complète, en regardant sur Instagram mes stories, j'ai vu que Envolée Livresque était à Londres le week-end dernier et elle partageait des stories de ses achats au Forbidden Planet. Et je ne savais pas du tout ce que c'était comme magasin. Je ne savais pas qu'il y en avait à Londres. En fait, j'en avais déjà entendu parler, je pense un peu, mais je pensais que c'était un magasin qui se trouvait aux USA. C'est vraiment le genre de magasin typiquement qui plairait à Sheldon Cooper, si vous regardez Big Bang Theory. On trouve des t-shirts, plein de choses qui tournent autour de l'univers des comics, de Marvel, de DC, etc. Mais il y a aussi un rayon de fantasy, de science-fiction, dystopie, etc. Ça reste vraiment que des romans d'imaginaire. Et l'un des avantages, c'est qu'il y a énormément de promotions sur ces romans, mais il y a aussi plein plein de livres qui sont signés par les auteurs. Donc le choix était hyper difficile, surtout qu'il y avait des hardbacks qui étaient magnifiques. Mais comme on avait des petits bagages, j'ai vraiment hésité sur quoi prendre. J'avais peur que ça passe pas au niveau du poids et de la place. Donc je me suis tournée vers deux livres de poche. Le premier que j'ai pris, c'est A Darker Shade of Magic de V.E. Shrubb, comme vous voyez avec une petite réduction. C'est le premier tome de sa saga Shades of Magic qui compte 3 tomes. C'est une saga dans laquelle on va suivre un personnage qui s'appelle Kell et qui a le pouvoir de traverser les 4 Londres différents qui existent. Donc on a un Londres sans magie, on a un Londres où la magie est acceptée,
un Londres où la magie existe, mais ils essaient de la combattre, et un monde où Londres, enfin, je crois que le Londres, le quatrième Londres n'existe plus. Je n'en sais pas plus, mais je sais que cette saga a énormément de bons retours. En français, elle est déjà parue entièrement en grand format, et le premier tome vient de sortir en poche. V. Schwab, c'est une auteure que j'ai déjà lue. J'ai lu La vie invisible d'Addie LaRue en VO, que j'ai vraiment adoré, et j'ai le tome, et je l'ai aussi en version française. Et j'ai lu Galante en français cette fois, que j'ai un peu moins aimé. Mais cette saga, vraiment, j'en entends que du bien, donc j'ai vraiment hyper hâte de découvrir ça. Ensuite, j'ai pris un roman dont je n'avais jamais entendu parler, juste en me laissant tenter par la couverture, le résumé. Il s'agit de The Shadow in the Glass de G.G. Harwood et il est signé. C'est un retelling de Cendrillon en fait. Donc, j'ai pas trop compris à quelle époque ça se passe, mais on a une jeune femme qui est un peu sous le joug de son beau-père, qui se réfugie dans les livres et qui un jour va avoir une personne qui va lui permettre de réaliser ses souhaits. Mais chaque souhait qu'elle va faire vient avec une contrepartie. Alors je me suis rendu compte après l'avoir acheté que les avis étaient plutôt mauvais sur ce livre. Beaucoup beaucoup de gens qui étaient déçus de la direction prise par le livre, de la façon dont l'histoire se déroule, on va dire, puisque sur la plume j'ai entendu plutôt des belles choses. Donc on verra si ça va me plaire ou pas. Et enfin, ça c'est je l'ai acheté à Waterstone, qui est une grande chaîne de librairies anglaise. Pareil, je farfouillais, je ne savais pas trop ce que je voulais. En fait, je m'étais fait une liste des livres que j'avais envie d'acheter à Londres et j'en ai trouvé absolument aucun. Donc bon, je me suis dirigée vers d'autres romans qui étaient sympas aussi. Et donc j'ai pris Pages & Co. de Hannah James. C'est le premier tome d'une saga de 6 tomes. Le sixième va bientôt sortir en VO. En français, il est sorti sous le titre Page et compagnie, mais il n'y a eu que le premier tome. Donc je ne sais pas si ça a eu du succès ou pas. C'est vraiment une fantaisie jeunesse puisqu'on suit une jeune fille de 11 ans qui vit au-dessus de la librairie de ses grands-parents depuis que sa mère a disparu. Et un jour, ses personnages préférés de romans vont apparaître et elle va se rendre compte qu'elle a le pouvoir de voyager dans les livres. Donc trop trop bien. Et on va suivre du coup ses aventures dans les livres en même temps que sa tentative de percer le secret autour de la disparition de sa mère. Donc ça a l'air hyper mignon, j'aime beaucoup beaucoup ce genre d'univers. Vous savez, j'aime beaucoup les sagas jeunesse, j'aime beaucoup les sagas jeunesse où on voit les personnages grandir. J'ai commencé Nevermore que j'ai adoré. J'ai commencé Une pincée de magie aussi que j'aime beaucoup. Donc là, je suis sûre que ça va être dans le même, pas le même genre puisque c'est pas la même histoire, mais ça s'adresse au même public, des enfants qui ont déjà 10-11 ans, tout en pouvant aller jusqu'à des adolescents un peu plus grands, et puis même les adultes peuvent y trouver leur compte. Donc, il me tente énormément. Voilà pour mes achats. Maintenant, c'est l'heure de choisir ma nouvelle lecture et j'hésite énormément. En fait, je me rends compte que les livres que j'ai le plus envie de lire, ce sont des livres que je n'ai pas. Donc, idéalement, j'aurais bien aimé lire le tome 6 des Chroniques de Sainte-Marie, mais j'ai uniquement le 7 et j'ai pas encore le 6. Ou alors, j'aurais bien aimé lire le tome 2 de la saga Une pincée de magie dont je vous ai parlé juste avant, mais pareil, je ne l'ai pas. Alors que ça fait partie des sagas, j'aimerais bien avancer puisque j'ai lu le premier tome il y a quasiment 2 ans, je crois. Donc bon, ce serait bien que j'avance. Sinon, je pourrais lire le deuxième tome de Nevermore que j'avais très très hâte de continuer. C'était pour le coup une saga sur laquelle j'ai pas envie de laisser traîner les tomes, j'ai envie un peu de les lire rapidement. Mais là, je me sens pas trop lire en anglais. Il y a Crescent City aussi de Sarah J. Maas qui me tente beaucoup parce que j'ai vraiment envie de fantasy en ce moment. Mais c'est un pavé, pas hyper pratique à amener au boulot. Et comme on a des amis qui viennent ce week-end, j'ai envie plutôt de quelque chose que j'aurais fini d'ici là. Voilà, ici, il n'y avait rien de spécial qui me tentait. Là non plus, j'ai lu déjà pas mal de Charleston ces derniers temps. Donc je ne sais pas, il y a Défi brillante, oups, je vais enlever ça, de Mary McCarthy qui a l'air pas mal aussi. Désolée pour le focus. J'hésite, j'hésite. Et sinon, si je vais de ce côté, niveau, en vrai, il faudrait que je lise le tome 3 d'Un parfum de scandale. Ce serait vraiment pas mal parce que c'est une petite taille.
Et comme ça, je pourrais avoir avancé dans cette saga et enfin me décider sur est-ce que je la continue ou pas. Mais pareil, je suis pas hyper enthousiaste pour le moment, donc j'ai pas très envie de la lire. Donc bon, je vais encore un peu réfléchir et puis je vous tiendrai au courant de ce que j'ai choisi. Bonsoir, on est jeudi soir et je vous prends pour faire un petit update sur ma lecture en cours. Finalement, par rapport à ce que je vous montrais, j'ai pas du tout pris les lectures avec lesquelles j'hésitais. Je suis partie sur quelque chose de complètement différent. Une lecture que j'avais dans ma palle depuis à peu près un an. Et là, d'un coup, j'ai eu envie de le lire. Il s'agit de La cuisinière de Mary Baskin, publiée aux éditions 10-18. Alors, ce roman, ça raconte l'histoire de Typhoid Mary. Donc, c'est un personnage qui a réellement existé. Typhoid Mary, c'était Mary Malone, une jeune femme qui, à la fin du 19e siècle, va quitter son Irlande natale pour aller vivre à New York. Et elle va commencer comme lingère dans des familles bourgeoises pour finir par être cuisinière dans ces mêmes familles bourgeoises. Donc, elle va faire plutôt de l'intérim. En fait, elle reste jamais très longtemps dans chaque famille et elle est placée par des agences en fait qui la mettent dans les familles qui recherchent une cuisinière. Et en fait, petit à petit, on va se rendre compte que tout autour de Marie, il y a plein de gens qui attrapent la typhoïde. Elle ne l'attrape jamais. Elle reste en super santé, mais autour d'elle, les gens tombent malades, parfois récupèrent, mais souvent aussi meurent, et notamment plusieurs enfants. Et il y a un ingénieur sanitaire, donc quelqu'un qui s'occupe de la santé publique, qui va s'intéresser à ces foyers épidémiques qui sont disséminés dans plusieurs endroits. Et il va se rendre compte que le facteur commun, à chaque fois, c'est Marie. Et elle va donc être arrêtée. Enfin, arrêtée à la base, ils lui font pas passer ça pour une arrestation, mais c'est ce qui se passe. Elle va carrément être enlevée, même puisque elle refuse de partir et qu'on l'arrache de son travail pour l'amener dans un hôpital pour lui faire des tests. Et ensuite, vu qu'ils ne sont pas encore complètement d'accord sur son cas, ils vont l'isoler sur une île, l'île de North Basser, je crois. Et c'est une île sur laquelle on plaçait un peu tous les malades en fin de vie et contagieux, donc les gens avec la typhoïde et les gens tuberculeux. Marie va se retrouver là-bas complètement isolée, puisqu'en fait, comme elle n'est pas malade, on ne la met pas dans la même pièce ou dans la même aile de l'île que les autres malades. Elle ne peut pas avoir de contact avec les gens. Elle est vraiment toute seule dans une petite maisonnette qu'ils lui ont construite. Elle n'a pas le droit d'avoir des visites. Deux fois par semaine, elle doit faire des prélèvements sanguins, d'urine, de sel, et on ne la laisse pas partir. Donc elle est vraiment prisonnière sur cette petite île. Toutes ses fondations, sa vie, son compagnon, puisqu'elle, même si elle n'est pas mariée, elle vit avec quelqu'un, tout s'écroule en fait, puisque elle se retrouve complètement isolée. Et elle est très révoltée contre cette situation. Elle ne pense pas du tout avoir la typhoïde. Elle considère que c'est une énorme méprise, puisque à l'époque, la notion de porteur sain n'était pas encore vraiment connue. Et je crois que c'est grâce à ce cas, justement, que ça va devenir une théorie et que ça va émerger au niveau de la médecine. Et à partir de là, elle va passer, du coup, 2 ans sur cette île. Et finalement, un avocat va s'intéresser à elle et va proposer de la défendre. Donc, elle va partir, elle va avoir un procès en fait où va s'affronter d'un côté les partisans du fait qu'elle reste en quarantaine puisqu'elle serait dangereuse, puisqu'elle sème la mort autour d'elle en cuisinant, et de l'autre côté les personnes, dont son avocat, qui disent elle est en bonne santé, elle a été enlevée avant même de savoir si elle avait vraiment la typhoïde ou pas, elle a été enfermée, c'est complètement injuste. Si elle est porteur saine, il y a sans doute plein d'autres personnes qui sont des porteurs sains et qui vivent leur vie, donc pourquoi est-ce qu'elle doit se retrouver enfermée? C'est là où j'en suis dans le roman. Donc là, vous voyez mon magnifique marque-page, Escape Through a Book. Donc j'en suis à peu près page 160 sur 450. Et je suis un peu surprise parce qu'en fait, je ne pensais pas que le procès arriverait si tôt. Moi, de ce que j'avais compris, c'est qu'on allait suivre Marie dans les différentes familles pour lesquelles elle travaille. On allait voir les cas de typhoïde s'accumuler et elle qui ne comprend pas ce qui se passe. Et je pensais que vraiment cette partie-là serait importante, alors qu'en fait, non, on a un petit prologue qui mentionne le fait que des gens meurent pendant son service. Mais après, tout de suite, on se retrouve au moment de son arrestation et de son passage sur l'île. Du coup, je me demande qu'est-ce qui va se passer pendant les 300 prochaines pages.
puisque voilà, il va y avoir le procès, mais j'imagine qu'il ne prend pas toute la suite. Et je suis assez curieuse de savoir qu'est-ce que l'autrice raconte du coup dessus. C'est un roman qui me plaît bien pour le moment, surtout pour le côté historique que je trouve vraiment très intéressant, pour le côté médical aussi qui m'intéresse bien. Maintenant, je dois avouer que je trouve le personnage de Marie pas très sympathique, et ce qui fait que j'arrive pas à avoir d'empathie pour elle, à compatir avec ses malheurs, alors qu'en vrai, ce qui lui arrive, c'est terrible. Mais c'est un personnage qui est assez hautain. Elle a un côté très méprisant aussi. Elle a une façon de parler aux gens, voilà, très méprisante et un peu condescendante même. Et même si je peux comprendre hein, qu'elle soit révoltée, que ce soit une situation très dure à vivre, enfin même, je pense que je ne peux pas comprendre vraiment ce que ça fait d'être complètement isolée. Bien sûr, ça a de quoi rendre fou. Je trouve que des fois, elle est vraiment, même avant ça, elle ne parle vraiment pas bien aux gens. Et j'ai pas du tout aimé ce côté-là, ce qui fait que j'arrive pas à m'attacher à elle. De plus, on a vraiment l'impression qu'elle a aucune compassion pour les personnes qui sont mortes autour d'elle. Alors certes, c'est pas du tout sa faute, mais j'aurais bien aimé voir un personnage peut-être un peu torturé, même quand c'est pas notre faute. Des fois, on peut être envahi par le doute, par la culpabilité. Et elle, à aucun moment, ce n'est le cas, à aucun moment ça l'effleure que ça pourrait être sa faute, même quand on lui dit, même quand on lui explique la notion de porteur sain, elle considère que les médecins sont tous des imbéciles et c'est pas du tout le cas, elle est en bonne santé, etc. Et du coup, voilà, j'ai un peu de mal avec son caractère, donc j'attends de voir ce que ça va donner dans la suite. Peut-être que son personnage va un peu plus me parler et que je vais être un peu plus touchée par son destin. Mais ça reste quand même une bonne lecture puisque c'est un thème et un épisode de l'histoire que je ne connaissais pas et ça me fait toujours plaisir d'apprendre un peu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter pour le moment. Je pense pas avoir le temps de revenir demain faire un update et en plus j'aurais sans doute pas beaucoup avancé puisque j'ai eu une semaine un peu chargée donc j'ai vraiment pas lu beaucoup dans ces dernières 48 heures. Là, je vais aller lire un peu et j'essaierai de vous faire un update samedi matin. Salut! Salut, on est samedi après-midi et je viens faire un coucou rapide pour vous parler de la lecture que je viens de finir avant que mes amis arrivent. Il s'agit donc de La cuisinière de Mary Baskin, dont je vous avais déjà parlé. Ça retrace l'histoire de Typhoïde Mary, qui a été accusée dans les années au début du XXe siècle de transmettre la typhoïde aux gens à travers sa cuisine. Je viens de finir le livre et mon impression. Alors, elle est moins mitigée que ce que je pensais, c'est-à-dire que pendant une bonne partie du roman, je me suis dit ce roman va être une déception. Finalement, ce n'est pas le cas. C'était une lecture sympa sans plus, on va dire. Je peux pas dire que j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas non plus passé un mauvais moment. Je suis contente d'avoir appris des choses dessus, sur cette période historique, sur ce fait divers. Je sais pas si on peut parler de faits divers en particulier. Mais j'ai pas été complètement fan du traitement fait par l'autrice, notamment le fait de faire beaucoup de flashbacks qui, à mon sens, n'apportaient rien, et le fait d'avoir surtout concentré l'histoire autour de l'histoire d'amour vécue par Marie avec un homme nommé Alfred qu'elle va rencontrer à New York quand elle vient s'y installer, donc à la fin du 19e siècle. Et même si c'était intéressant, même si c'était parfois touchant, j'étais moins intéressée quand même par cette partie-là. J'aurais voulu vraiment quelque chose qui tourne beaucoup plus autour du côté de la typhoïde, en fait. Je pensais vraiment lire un fait scientifique un peu romancé. Néanmoins, j'ai trouvé que ça restait intéressant. La vie de Marie est assez touchante, finalement, puisque à partir du moment où elle a été détectée la première fois et qu'elle a dû être enfermée, le reste de sa vie a été que des contraintes, des escapades, devoir s'enfuir, devoir trouver un moyen de gagner sa vie en faisant quelque chose qu'elle n'aime pas, parce qu'elle n'a plus le droit de faire ce qu'elle aime. Et pour finir, elle a quand même fini de nouveau enfermée sur l'île de North Brother, à nouveau. Et c'est là qu'elle a fini sa vie, de ce que j'ai compris en faisant quelques recherches à côté. Et voilà, j'ai trouvé que c'était quand même assez triste, puisque finalement, c'est vraiment pas sa faute. Mais la vie l'a condamnée à être une prisonnière ou à être quelqu'un qui va être regardé du doigt toute sa vie et c'est finalement assez triste. Je n'ai pas encore repris de nouvelles lectures, mais par contre j'ai fait quelque chose de très nouveau pour moi. J'ai commencé un livre audio. Alors moi je suis quelqu'un de très traditionnel niveau lecture, j'ai jamais utilisé de liseuse, j'utilise pas du tout de livre audio. J'ai limite un peu cette impression que c'est de la triche.
Ah, même si je sais que c'est pas vrai, que c'est hyper pratique, notamment quand on a beaucoup de transports en commun. Et là, en fait, pour les abonnés free, que vous soyez mobile ou box, vous pouvez avoir 60 jours offerts sur Nextory, qui est une application qui propose à la fois des livres audio, mais aussi, si ça vous intéresse, de la presse numérique, des romans en numérique. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer un livre audio, puisque j'avais un peu de ménage à faire ce matin. Je me suis lancée, je ne savais pas trop quoi regarder, et finalement j'ai décidé de partir pour le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier, qui avait été publié chez Albin Michel, puis chez Le Livre de Poche. C'est un roman policier qui se passe au 19e siècle à Paris, dans une ambiance un peu sombre. Pour l'instant, j'ai écouté juste 1 heure, donc je peux pas en dire grand-chose, je peux pas dire où ça va. Par contre, je peux dire que j'aime énormément le style. La façon dont il écrit, la façon dont il rapporte les descriptions, qui colle très bien avec la période historique dans laquelle l'histoire se déroule. Ça a l'air assez intrigant. Je viens tout juste de rencontrer le personnage principal, donc Valentin Verne, qui est un inspecteur à la base à la Brigade des Mœurs et qui va se retrouver à la Brigade de la Sûreté pour enquêter sur une histoire de suicide qui a l'air un peu douteux. Il va y avoir donc des histoires de meurtres. J'ai l'impression que la politique prend une très grande part dans cette histoire et ça m'intéresse toujours beaucoup d'avoir un peu le contexte historique et politique de cette époque-là. Donc pour l'instant, c'est un très bon début. Alors j'ai écouté qu'une heure. L'écoute en total, c'est 10h30. Donc j'en ai encore pour un moment, mais je viendrai vous en reparler. Salut! Bonsoir, on est lundi soir et je viens pour clôturer ce carnet de lecture. Alors, il n'y a pas eu énormément de lectures finalement, mais je voulais finir en vous présentant la prochaine lecture que je vais faire et en vous parlant un peu de ma lecture audio en cours. Donc, j'ai continué le Bureau des Affaires Occultes en audio comme je vous en parlais la dernière fois et j'adore. Là, on est lundi en 3 jours, en sachant que j'ai eu des amis, j'ai déjà écouté 3 heures d'audio sur 10. Je suis vraiment fan, en fait, je pensais vraiment pas aimer autant le fait d'entendre quelqu'un me raconter une histoire, mais j'aime vraiment beaucoup. Ça tient peut-être aussi au narrateur, je le trouve plutôt bien. Il a une voix assez posée et j'apprécie d'écouter sa voix et d'écouter sa façon de raconter l'histoire. J'écoute vraiment en vitesse 1 parce que j'ai même essayé 1,25 et je trouve que tout de suite c'est beaucoup trop accéléré et que je perds le plaisir d'avoir un compteur pour l'histoire. Dans ce cas-là, je préférais encore la lire moi-même. Donc vraiment une super bonne surprise. J'ai déjà été sur Nextory mettre en favori des tonnes de livres que j'ai envie de lire. Je ne sais pas si je vais continuer après mon essai gratuit, mais si je continue, mon idée c'était plutôt de lire en plus 1 à 2 livres audio par mois, qui seraient des romans que je n'ai pas dans ma palle, mais que j'avais par exemple prévu d'acheter ou que je n'aurais jamais acheté en temps normal et auxquels je donnerais peut-être une chance à ce moment-là. Donc, une super surprise de ce côté-là. Concernant du coup l'histoire, j'aime toujours beaucoup. Donc, on est dans ce contexte historique de la Révolution de juillet 1830, où le roi Louis-Philippe est revenu au pouvoir, mais en étant un roi un peu plus souple, on va dire, au niveau des règles. Et on va suivre donc Valentin Verne, qui est un inspecteur de police, qui suit deux enquêtes en fait dans ce roman. D'un côté, on le charge d'enquêter sur la mort de Lucien d'Auvergne, qui est un jeune homme à qui la vie souriait, qui s'est suicidé. Et même si le suicide ne fait aucun doute, la question c'est pourquoi il s'est suicidé? Est-ce que quelqu'un l'a convaincu de se suicider? Et sa deuxième enquête en parallèle, c'est la traque du vicaire. Le vicaire, c'est un homme dont on découvre au fur et à mesure que c'est sans doute un pédophile, peut-être même un proxénète d'enfants, peut-être même un meurtrier d'enfants. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Et Valentin s'est juré de le traquer et de l'attraper. Et c'est une quête qu'il mène à côté de son travail habituel. Mais finalement, il est devenu policier parce que ça lui permettait d'enquêter, de le traquer peut-être un peu plus facilement, d'avoir accès à des informations de manière un peu plus facile. Pour l'instant, cette enquête-là, elle reste quand même assez, on va dire, en sous-marin. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'éléments autour de ça. J'imagine que ça va finir par se recouper, au moins un petit peu. Mais en tout cas, l'enquête principale me plaît aussi beaucoup. Donc pour l'instant, très, très fan de cette lecture.
Pour vous parler un peu de la lecture que je vais prendre ensuite, j'ai décidé de lire La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman, publiée aux éditions Faubourg Marigny. Ce sera mon deuxième Faubourg Marigny après La petite boutique au poison. Celui-ci a énormément de très très bonnes critiques. C'est le... Alors, Faubourg Marigny a entre-temps publié deux autres romans de cette autrice. Et à chaque fois, j'ai vu que des très très bons avis. Il y a eu Ce qu'elle a laissé derrière elle. Et le dernier qui vient de sortir il y a peut-être 2 semaines, c'est Là où sont tes racines ou Là où poussent tes racines, quelque chose comme ça. C'est une autrice allemande. Elle a l'air d'avoir énormément de succès outre-Rhin. Et son succès commence à arriver en France. Donc j'ai hâte de la découvrir. Ça a l'air d'être des histoires à chaque fois très poignantes, avec un petit côté d'historique. Et un petit côté, j'ai l'impression, féministe aussi, mais ça, je le découvrirai quand je lirai enfin sa première histoire. Dans celle-ci, on va suivre une jeune fille qui, de ce que j'ai compris, est défigurée et donc est condamnée à vivre un peu en cachette, à l'écart du monde, jusqu'au jour où sa mère va la vendre à des forains. Je n'en sais pas plus, je crois que c'est un récit à double temporalité, mais à part ça, je n'ai pas relu la quatrième, donc je vais m'arrêter là et je pense le découvrir ce soir. Voilà pour ce vlog lecture. Encore une fois, ce n'était pas un vlog très très long. J'espère que ça vous a plu quand même. J'espère que vous avez été intéressé par ces lectures. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Salut !